version définitive du protocole sanitaire pour les maternelles et écoles élémentaires. Les élèves du primaire pourront retourner en cours dès le 11 mai sur la base du volontariat. Mais il y a donc des règles du jeu. Lavage des mains plusieurs fois par jour pour les enfants. 16 élèves maximum dans une pièce de 50 mètres carrés. Repas à prendre en classe ou à la cantine. Ces mesures réactualisées du ministère de l'Éducation. Vous les retrouvez dès maintenant sur notre site internet franceinfo.fr. La date du 11 mai pour le déconfinement en France, c'est encore du conditionnel. Le ministre de la Santé prévient dans Le Parisien aujourd'hui en France. Pour Olivier Véran, si le confinement est bien respecté jusqu'au bout, nous pourrons déconfiner progressivement. Les États-Unis ont des preuves immenses que le coronavirus vient d'un laboratoire de Wuhan, autant dire le berceau de la pandémie en Chine. Déclaration cet après-midi du secrétaire d'État américain. Mike Pompeo refuse de dire s'il pense que le virus a été libéré intentionnellement par les Chinois. Demain, les Espagnols devront porter un masque dans les transports en commun, mesure obligatoire, alors que le pays se déconfine progressivement. Le bilan quotidien du coronavirus tombe à moins de 200 morts. C'est le plus bas depuis la mi-mars. Et puis l'hommage de Grand Corps Malade sur France Info après la disparition du chanteur algérien Idir. Pour le français, c'était une icône absolue chez les Kabyles, mais il salue également son humilité. Idir est mort hier à Paris. Il était âgé de 70 ans. France Info. Et tout est plus clair.